Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier stream de notre campagne sur Empire Total War. On reprend pas du tout là où on s'est arrêté la dernière fois, pour un énorme problème, c'est que la sauvegarde de l'épisode 8 et les auto-sauvegardes sont intégralement corrompues, donc c'est pour ça que j'ai pas pu reprendre dimanche le stream, c'est qu'effectivement il n'y avait plus de sauvegarde. Donc nous sommes dans une réalité alternative. J'ai dû me retaper l'intégralité de la campagne. J'ai passé 14 heures d'arrache-pied. J'ai fait des choses bien plus optimisées que. J'ai changé mes stratégies. Donc j'ai beaucoup plus poussé ou autre. J'ai très rapide. Ici j'avais deux petites armées que j'ai envoyées. J'ai récupéré pas rapidement toute la côte là, la côte de l'Afrique du Nord. J'avais une armée ici, une armée là, Amsana a pris ici, j'ai capturé ça. Et en fait, toutes les universités, écoles que je capturais, que ce soit ici, 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 ici. En fait, toutes les universités que je pouvais avoir, j'ai capturé, j'ai gardé et je faisais des techs dedans. Donc c'est vrai que j'ai été beaucoup plus efficace et efficient dans cette campagne. J'ai été d'arrache-pied, j'ai couru à droite, à gauche, j'ai fait... vraiment des batailles, plein de batailles où il n'y avait quasiment pas d'hommes dedans, mais où c'était ultra décisif. Donc, au tout début, guerre contre les Pays-Bas, ça change jamais. Pays-Bas prennent ici, moi j'ai une armée que j'ai envoyée ici, donc qui a récupéré tout ça. J'ai une armée qui est ici, une fois que les Pays-Bas prennent là, j'attaque là. J'ai envoyé une armée, une partie de l'armée que j'avais en France, j'ai envoyée ici. J'ai conquéri Ceylan, puis j'ai débarqué là. Pour prendre Mysore et quand le Portugal a été pris par l'Espagnol, j'ai récupéré Goa. Donc au final, j'ai récupéré ça plus une université ici. En parallèle ici, ma technique de saut d'île en île, je l'ai fait. J'ai été beaucoup plus efficient ici. La Louisiane n'est pas tombée contre les Cherokees. J'ai fait deux petites armées, une qui a attaqué ici, une qui a attaqué là. Et j'ai rapidement pris en tenaille et une partie de l'armée, je l'ai envoyée là-haut, là-haut, puis après, hop. Bateau pour débarquer là et deuxième bateau pour débarquer là. J'ai toutes les technologies, donc là où il nous en reste quelques-unes avec les quatre universités, comme j'ai eu beaucoup plus d'universités beaucoup plus tôt et que j'ai rushé là-dedans, ce qui fait que j'ai toutes les technologies possibles et inimaginables beaucoup plus tôt. Ce qui fait que je n'ai plus besoin d'université, donc j'ai tout remplacé par des usines. Et ce qui fait c'est pour ça aussi qu'économiquement je suis bien meilleur. Donc ça c'est le gros changement. L'autre gros changement de campagne c'est que je suis tout allé sur les flottes commerciales. J'ai eu de la chance que dans beaucoup de guerres que j'ai fait, il y avait énormément de navires en face de commerce, plein d'Indiana. Donc je faisais les guerres contre, je récupérais les navires, j'allais les envoyer se faire réparer, j'ai renvoyé et au final ça m'a beaucoup joué en ma faveur. Je me suis très vite retrouvé en guerre, posément contre toute l'Europe. Une fois que j'ai récupéré les Pays-Bas, l'Angleterre m'a attaqué. Je me suis tapé l'Autriche, Brandebourg, la Rhénanie, j'avais déjà pris, mais Wurtemberg, la Bavière et la Savoie. En sachant que l'Autriche avait récupéré tout ça. L'Autriche était là par rapport à ça. Donc les deux se tapaient un peu dessus. Donc moi j'en ai profité, j'ai avancé, j'ai déclaré la guerre à Hanovre, j'ai récupéré Hanovre pour avancer sur Brandebourg, Brandebourg, Saxe. Il resta après plus que cette ville-là aux Prussiens. Donc de cette manière-là, les Prussiens se faisaient attaquer par l'Autriche. Donc au final, ça s'annihilait. Donc j'explore cette université-là. J'ai avancé ensuite sur Wurtemberg, sur la Bavière avec la deuxième armée qui revenait. En fait, ce qu'ils se préféraient, j'ai envoyé une armée là. Tac, 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 tac. L'armée qui était ici, j'ai fait tac, tac. Avec quelques troupes là, ces troupes là ont attaqué ici, ont défendu, j'ai attaqué après avec les renforts de celle-ci, j'ai ramené en renfort, j'ai explosé là, j'ai avancé sur la Bavière, donc ce qui m'a fait encore d'autres universités. Et puis après, j'ai avancé à ce niveau-là. Puis une fois que j'étais vers Vienne, là, la Savoie, Gênes me déclare la guerre, hop, j'attaque, je prends la Savoie, Gênes, je descends sur l'Italie centrale, je déclare la guerre, même par réflexion. En parallèle de ça, l'Empire Ottoman me déclare la guerre. Je vais vraiment vous faire un résumé rapide de ce qui s'est passé pour arriver à cet endroit. Donc, mon armée qui était à Tripolène, je l'envoie là-bas. J'avais hardtacké les carabines très rapidement parce que les dragons en autorésolution sont fumés. Donc, très rapidement, hop, j'ai avancé, j'ai pris ces villes-là, notamment celle-ci où il y avait une université également. Donc, j'ai fait un traité de paix. Puis derrière, la Perse me déclare la guerre.
Ça, je récupère Bagdad, je récupère Bagdad allez, autour même pas 30 par rapport à ça. Alors que je suis même, alors que je suis après, je suis en train de débarquer en Angleterre, que d'après Rhénanie, que je suis en train de prendre les Pays-Bas. Hein. J'étais déjà à ce stade-là, à cet endroit, donc ultra efficace. Donc j'avance rapidement, je récupère ici. La Perse me trahit, me déclare la guerre. J'avance sur la Perse, j'occupe encore l'université. J'envoie vite deux armées ici. Bah, je capture le reste de la Perse. C'est pour ça effectivement qu'ici j'ai tout ça. Ici, Mysore avance. L'Empire mongol avance également. L'Empire mongol, quand des technologies me font ce territoire-là, je dis pas non. Comme ça, je récupère. À un moment, l'Empire mongol n'avait plus que ça, mais réussit à récupérer 5 territoires d'un coup. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Ils en avaient 5 en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc à ce moment-là, j'attaque l'Empire Marat d'Ango. Je récupère ceci, 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 ceci. L'armée qui venait de Perse, j'ai continué la guerre, j'ai pris le Lahore et j'ai descendu effectivement derrière. L'Empire Marat après en fait a vite repris les territoires qu'il avait perdus, ces territoires-là, non sans perte. Donc moi j'ai réussi à taper vite avant qu'il y ait des renforts là. Mes armées, je les ai très vite fait avancer ici, ici. J'avais que deux armées, hein. En fait j'ai attaqué là, j'ai attaqué là. Puis après ici j'ai avancé là. Enfin, j'ai avancé pour aller là, c'est que si j'ai avancé là, et la troisième armée qui était quasiment que des dragons, bah, j'ai descendu là où j'ai vu qu'il n'y avait pas de résistance, j'ai rushé là, j'ai quasiment pas de résistance, et puis je suis descendu. J'avais une université ici, une ici, une ici, encore trois de plus. On était en train de compter, on était en train de dire, j'avais un nombre d'universités phénoménal. Donc l'Empire Mogol s'est fait écraser, et puis après en fait j'ai pourchassé Emirates derrière, et ce qui fait que Emirates, je me suis fait en sorte de rester juste ici. Pour effectivement qu'on y finisse ensemble, le principe c'est quand même qu'on finisse ensemble celle qu'on avait commencé. Au niveau du Nouveau Monde, bon, les Soudils, ça vous connaissez, les Iroquois qui ont réussi à prendre les deux villes là contre eux. Une fois que j'ai pris les Hurons ici, que j'ai pris ceux-ci contre l'Angleterre et que j'ai fini, j'avais effectivement une armée qui était là, bah, j'ai pris l'Albanie, Boston, etc. J'ai construit un navire, il y a des comprendre l'utilité du navire. Avec le navire, j'avais une armée là, j'ai fait ramener l'armée avant de prendre effectivement là-haut, j'ai fait ramener l'armée ici. Quand j'ai fini de prendre l'Angleterre, ça s'est donc rebellé. Donc j'avais non seulement une armée qui faisait déjà les Saoudis, que j'avais fini avec effectivement les. À ce niveau-là, ben, j'ai débarqué à Port-Royal, j'ai récupéré Port-Royal, puis ici, qui était devenu pirate. Les États-Unis naissent. Sans armée, je débarque, je débarque ici, je récupère cette ville. Non, je débarque ici, je récupère. Tour d'après, j'attaque là et là. L'armée qui est ici récupère là. Je récupère les trois villes là, puis je descends là en fusionnant les deux armées et je récupère ici. Juste derrière, j'ai Karaguerre au Cherokee. J'attaque là, là. Je récupère ces deux là, puis après, je monte ici et je récupère les deux villes là. Et là, comme ça, je munis effectivement la Haute-Louisiane, je récupère la Haute-Louisiane, notamment le palais royal. À côté de ça, j'ai fait quelques dragons en plus. Ces dragons-là, je les ai envoyés ici. J'ai fait un bateau, j'ai débarqué là. Il n'y avait pas d'armée, donc en autorisation, ça a gagné. J'ai avancé ici, je les ai envoyés là, et j'ai gagné ici. Puis après, j'ai descendu l'armée là, j'ai ramené l'armée là. J'ai pris le Texas. J'ai mis les dragons ici, j'ai préparé. Donc j'avais des troupes dans les îles avec une flottille que je divisais en deux, une ici, comme ça j'ai fait un débarquement pour prendre les deux villes là. L'armée, la grosse armée, je l'ai repris d'ici, j'ai mis dans un bateau que j'ai amené là. J'ai débarqué ici, j'ai récupéré ça, j'ai rembarqué, j'ai débarqué là, j'ai pris ça, je suis après repris le bateau, j'ai débarqué ici, j'ai pris ça. Les dragons ont pris là-haut, je suis descendu ici, j'ai récupéré ça sans résistance. Et après, avec les armées d'île en île, j'ai pris une armée qui a débarqué ici, j'ai pris l'autre armée qui a débarqué en même temps que j'ai fait des batailles contre pour récupérer ça. Avec l'arrivée des dragons, j'ai récupéré le Nouveau-Mexique. Donc, comme j'avais pris le Maroc, j'avais quelques troupes de dragons ici, j'ai pris Gibraltar. Les flancs étant tombés, j'ai pas un souci là, donc j'avais une armée qui a pris la Lombardie, qui est vite descendue à Naples. J'ai embarqué, j'ai descendu en Sardaigne. Donc ça, une fois que j'ai pris ça, j'avais une autre armée que j'ai armée là, j'ai vite rapatrié effectivement, que j'ai fait débarquer dans ce port-là. J'étais en train de réfléchir, j'ai cru que c'était celle-ci, mais c'est ici. J'ai pris Madrid,
J'ai outrepassé Madrid, j'ai pris le Portugal, j'ai encore récupéré deux universités. J'avais un nombre d'universités en même temps phénoménal. Suite à ça, je récupère mon armée principale, je construis des dragons pour mettre en Espagne. Je récupère Malte. J'outrepasse Malte, je débarque ici. Venise me déclare la guerre. Je récupère ceci. L'armée ici récupère là. En même temps, parce que l'Autriche est finie entre temps, hein, que je fais la guerre espagnole. L'Autriche, la Prusse est déjà morte parce que je récupère ceci. En gros, le conflit s'est arrêté à peu près là. Le front s'est arrêté, on s'est arrêté tout à l'heure. Donc j'ai attaqué le reste de la Prusse, j'ai récupéré. J'ai attaqué avec une armée ici, ici que j'ai récupéré. L'autre armée ici a avancé là, 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 là. J'ai pas fait la paix avec eux, mais ils m'attaquaient plus. Ils m'ont déclaré la guerre, alors que j'avais pris ici, donc ils me déclaraient plus la guerre, donc j'étais bon. J'ai fait une petite armée en Azerbaïdjan qui a avancé sur la Géorgie, j'ai récupéré l'université, j'ai pris effectivement l'Arménie et qui a avancé sur Ankara. J'ai débarqué ma flotte ici parce que Venise me déclare la guerre, j'ai récupéré Morea, puis après Athènes et mon armée principale a récupéré Roumélie. Ici, l'armée qui était en Croatie, en Vienne, est redescendue là. M'a passé, puis après, préparation d'une autre. Une fois que j'ai fini au Nouveau Monde, j'ai récupéré mes troupes que j'ai envoyées là-haut. J'ai ramené l'une des armées d'ici, j'ai monté ici, j'ai déclaré la guerre au Danemark, j'ai pris ça et ça. Suède qui était très mal, mort, moi j'étais bien économiquement, m'a demandé un peu d'argent, il m'a donné la Norvège, je récupère la Norvège, je mets une armée ici, je déclare la guerre contre la Norvège, je récupère la Norvège. Pas la Norvège, la Suède, rapidement. J'attaque ici, je débarque là, je récupère la Finlande. Donc au final, je récupère rapidement les deux territoires là. Le temps que je prenne ici, la Suède reprend là en plus. Je les prends. Je redonne à la Russie ceci, ceci, ceci. La Crimée est encore russe. La Moldavie à base est à moi. Puis on s'arrête là. Puis la Russie me déclare la guerre, donc j'envoie plein d'armées, j'explose la Russie à plusieurs reprises en laissant que sur un territoire. Donc j'ai décidé de garder ces deux territoires parce que c'est chiant d'aller ici, quand même qu'on se fasse quand même le reste pour conquérir. Donc c'est pour ça que la carte est un peu différente. La Russie s'est tapée des révoltes parce que le nombre de guerres que j'ai fait qu'au final, c'est pas surprenant à ce stade-là. Et au niveau du budget, voilà. Pour ceux qui se posent la question, je suis en faible partout. J'ai un revenu de taxes de 240 000. J'ai un revenu de commerce d'autant. J'ai une marine, alors marine qui est un peu fumée. J'ai 20 navires de premier rang classique. J'en ai deux comme ça de flottille. Donc ce qui est un petit peu très fort. Voilà. J'avais fait les tests, toi. Donc d'ici, alors. Le plan dans cette stream, c'est effectivement de terminer cette campagne. On va commencer par l'Empire. On va terminer par Empire Marat plutôt. Parce que je crois que je peux faire un traité de paix avec eux. Enfin, un traité commercial. Dans tous les cas, nous, on va promettre. Alors, truc qui s'est passé, c'est que pour effectivement avancer rapidement, j'ai quasiment gardé tous les territoires. J'ai fait tous les bâtiments possibles chez eux, comme j'avais l'avantage technologique. Donc. Comme ça, ils ont tous les universités, ils ont tous les bâtiments à la fin. Cependant, si on fait un tout petit peu attention, pas en parler à la Russie. Ouais, il y a plein de technologies qu'ils n'ont pas. Par contre, ils ont les derniers bâtiments. Ils ont chaque ville étant deux bâtiments uniques. Ils ont effectivement les dernières unités possibles. Ils ont possibilité de construire les meilleures unités possibles. Vous voyez, ils ont des gardes, etc. Pareil, effectivement, ici. Passer en République les Russes, mais c'est pas grave. Nous, on va y aller. Déclaration de guerre. Hop, j'en ai rien à faire que la Ponitoanie. Ah, c'est quasiment que des conscrits. La vertu et la valeur, invaincue. Première ville prise. Deuxième attaque ici. Toutes mes armées sont ultra préparées au taille à guerre. Et là où je suis pas un peu fier, j'ai obtenu en préparant ce dernier épisode de cette campagne l'achievement des 1 million de kills en bataille réelle. Je dois dire, je suis contente parce que c'était effectivement un achievement très dur à obtenir.
qui était surtout très chronophage. Maintenant que j'ai obtenu, je suis ravi. Je ne vais pas faire les conneries que j'ai déjà fait. C'est les miliciens. Faut être transparent par rapport à ça. La Ponituanie, ça va être un carnage en vitesse grand V. Ils ont plus d'armée. En fait, ce qui se passe, c'est que ils m'ont quasiment toujours déclaré à guerre les trois autres puissances qui restent. Donc là, je suis sorti de guerre avec la Ponituanie il n'y a même pas deux tours. J'en ai tous les territoires que j'avais pris pour faire le traité de paix et qu'on a quelque chose à conquérir. Et, allez, 60. Du bataillon de 60 hommes en moins. Ici 70. Ici quasiment 80. Ici 60. Voilà. Et, on est bon. Allez, zou! Pardon. J'ai demandé de tirer là-dedans. C'est un trou dans cette muraille. Le fait qu'il n'y ait que des conscrits, ça m'inquiète pas trop en fait. Pareil, j'ai donné de liquidité aux deux IA pour qu'ils puissent vite rapidement refaire les trucs. Comme j'ai construit des usines à peu partout, bah, ils ont beaucoup d'économies aussi. Donc ce qui va rendre quand même cette fin de campagne un peu intéressante, mais bah, j'ai pas trop eu le choix. J'ai fait des compromis rapides. J'ai passé 14 heures à vous préparer pour finir cette campagne. C'est tout mon dimanche dessus. Voilà. Au moins, on va pouvoir la terminer. Malgré ces petits anachronismes qu'on a par rapport à ce qu'on avait commencé ensemble, ce n'est point grave. Taillons comme ça, il reste 29 hommes. 18. Et j'ai une armée d'élite aussi qui est au front. Je vous montrerai après qui est vers la frontière ukrainienne. Cette armée d'élite. Alors, c'est même plus de l'élite là au stade où j'en suis, c'est même encore plus que ça. J'ai toutes les unités au dernier level. De tout ce que 9 d'expérience. J'ai une armée avec toutes les unités d'élite de la France. Enfin quasiment, parce que si je pourrais en faire 6 de plus, il faudrait que je passe à l'ère républicaine pour moi je passe en république pour les avoir. Mais actuellement au stade où j'en suis, j'ai effectivement une. Ici derrière donc voilà, je vous la montrerai après l'autre armée. Elle était restée à la capitale cette fois-ci, je l'ai directement envoyé au front et a fait combat sur combat, a toujours combattu. Et m'a fait gagner les batailles décisives. Toutes les batailles où effectivement c'était serré ou autre, c'est celle-ci. Il y a toujours une flotte qui l'accompagnait. Ou autre.
Effectivement, le gros changement, c'est que j'ai la Transylvanie, c'est ça le gros changement, et j'ai effectivement les ports de Crimée et la partie finlandaise, mais bon, c'était pas trop impactant, c'est pas game changer par rapport à ça. De toute façon, au stade où j'en suis, je suis 4 tours avant là où la campagne a planté dans l'autre épisode. En toute franchise, je pense pas qu'en 4 tours ça ait changé grand chose. À part que j'aurais probablement retapé une guerre encore de nouveau contre les Margoulins. Et toutes mes armées sont quasiment équipées d'obusiers. J'ai quasiment plus d'économie. Et zou. Ah, c'est canon. Vive. Bon, 42 précision. Et tirer là-dedans. Général sort, je vais pas dire non. Outrepasser ici, vous allez aller là derrière. Voilà, encore des hommes en moins, 55 hommes de moins. J'avoue, je vais vous rapatrier là, j'ai pas besoin de mettre. Au cas où s'il faut une sortie, que j'ai assez de troupes pour y tenir en frontale. Il reste un homme, lui. Comme vous voyez ici, ça fait des trous à ce niveau. Ce qu'il faut avec son général, l'autre, mais. Je sais plus quoi. Là, le problème c'est que les murs étant épais, c'est beaucoup plus compliqué de passer derrière les murs. Après, l'avantage des obusiers, c'est que vous pouvez y regrouper effectivement comme ça en ligne, sans trop risquer d'avoir du tir à mis du fait de leur tir en cloche.
peu efficace. En fait, faut que les obus ils tapent ici si vous voulez qu'ils puissent faire des dégâts derrière. Unité de conscrit ici. À gauche, ça aurait été bien. Alors, trop épais. Attendez, vous savez quoi? Vous allez taper à Muralia. Vu le monde qu'il y a là-dessus, ça fera du monde en moins. Non, vous avez tiré sur qui vous voulez. J'ai commencé à envoyer mes troupes en frontal. Eux, une fois qu'ils seront morts, au moins ça évitera que mes tirs aillent là-haut. Pas forcément déconnant qui me tire là-dedans. On est en train d'avancer tranquillement. J'ai pas d'unité de tirailleur ou autre, pas besoin. En fait, le tir par rang est tellement plus, je trouve tellement plus fort que les unités de tirailleur que c'est pour ça que je les utilise pas. En tout cas dans les campagnes. Autant en multi je l'utilise davantage, autant en campagne je n'utilise pas. Bon, j'en ai, j'utilise, si j'en ai pas. Tout le monde. Ça fera deux escouades de moins, ça serait vraiment bien. C'est un petit coup ça. On va s'y attendre. C'est ralentissement. Bah c'était beaucoup moins efficace que la chaux vive. Actif. C'est bien, il se repose en montant les murs. Il y a une escouade qui est morte. C'est renfort. Unité sur la gauche au cas où. Ici, quasiment tout le monde est monté.
bien, c'est qu'au moins mes troupes en train de prendre l'arrière du fort sans trop de résistance. Ça, c'est le côté génial. Récupérer l'arrière du fort sans résistance. Unité d'infanterie de ligne qui est sortie. On sait tout ce qui va se passer. Surprise, j'avais des troupes embusquées. Et vu à distance aussi. Unité de moins, ça. Une fois qu'elle est morte, on... En fait, pourquoi j'élimine, c'est que les unités ont tendance à tirer sur ce genre d'unités qui est effectivement la plus proche. Et vu que ça risque d'être la plus proche, si j'avance mes troupes dans la rangée là, j'ai pas envie qu'ils gaspillent leur bac dessus, parce qu'ils vont gaspiller beaucoup pour très peu d'efficacité. Donc c'est pour ça que je préfère faire de cette manière là. De dégâts derrière, donc ah, ils m'ont tué un homme pour un... Des sorties, moi ça m'arrange. Beaucoup de chaud tombe devant, c'est dommage. Alors, la seule chose que vous avez à faire pour la majorité des unités, comme on a discuté dans le stream précédent, c'est juste la couleur. Donc, c'est vrai que vous avez vu une unité de conscrit, quelle que soit armée, bah, après vous savez que c'est juste le schéma de couleur qui va être répété, mais différemment. Cette armée-là, elle est broyée. On a 2-20 pour deviner. Bah, ce régiment. Un régiment qui est sorti. Ah, c'est un des régiments que j'ai dû endommager. Bon. C'était là. Là, c'est de la chaux pure. Responsable du carnage. Mets un coup de chaud dans la gueule. Et hop, 10 hommes de moins. Rien, ça coûte juste un peu emmerdement à mon adversaire, mais c'est juste nickel. Je me méfie aussi à pas. Là, ils font une sortie avec toutes leurs troupes, moi ça me va. Hein.
toute façon, je savais d'avance que la campagne de Russie allait être dure. J'ai réussi à me donner un peu d'handicap en ayant ultra développé toutes les villes que j'ai redonnées. Malheureusement, pour une Lituanie, je vais la raser rapidement. Heureusement pour elle, elle a quasiment plus de troupes et je vais pas perdre mon temps à. Il y avait tout 30 morts. Normalement, la majorité des troupes ne reviendront pas. Au sur les murailles, ça continue de tirer. Je suis à bientôt 40 kills d'avance. L'avantage de tirer là-dedans, c'est que ça me tue aussi des fuyards. Il y a beaucoup d'armées qui n'ont pas combattu encore, hein, que j'ai construit ou autre juste pour préparer juste en ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il faut que les deux armées que j'ai mis là sur le front est, pas forcément vers armée ennemie, mais un peu en retrait, ils peuvent tellement tout changer. Ils peuvent prendre deux villes ou autre, ça pas d'éviter que ça soit une guerre trop longue. Ils ont canardé le général. Eux, ils continuent de canarder ici. Eux, ici, ils vont bientôt canarder cette infanterie-là. Régiment va bientôt se prendre la foudre. Je crois que les conscrits ont une meilleure, un meilleur moral que les miliciens, je crois. Quoique j'ai un doute que je veux. Ah, quoique ils partent quand même bien plus tard. Ouais, je vérifie ça. Et hop. Première salve, 20 morts. Non, troisième salve. Il a fallu 3 salves là, non? Ça fait 3 salves, quasiment 30 morts, 10 morts par salve, très bien. Il est sur un muraille, il a tout déjà, oui, déjà 60 kills. Mais les premiers rangs ont tiré. Deuxième rang se prépare. Et troisième rang. Les deux du ralentissement, comme d'hab, c'est un siège. Donc les problèmes des sièges, c'est toujours les mêmes. On peut m'amuser à raser les murailles d'ailleurs. Je suis en train de me dire, je crois bien que la Russie a eu deux révolutions, je crois. J'ai réussi à en faire deux. Tellement je l'avais défoncé au niveau des armées, tellement son ordre public était catastrophique. Aucun mort, eux ils sont déjà bientôt perdus 70 hommes. On déploie la deuxième infanterie de l'Union. On va continuer.
très bien cette deuxième sague. Je veux dire, ils sont tellement longs. Dispersion. Au final, c'est quand même pas mal de régiments de lignes ennemies que je viens de dégommer. De conscrits ennemis, c'est même pas des régiments de lignes, c'est des conscrits leur régiment. Oh, une moustache ou pas de moustache, nous avons un petit casque. Oui, sans grande imagination. C'est à voir. Hein. Des troupes en moins, ça. On tue combien pour accord? 15 à peu près. Peut-être 20. Ou 15, je pense. Oh, quasiment 20. Bien. Cette unité est bientôt mort. Morte plutôt que mort. Bientôt en déroute plutôt. À la fois là-bas et à la fois ici. Vous rechargez et on sera bon. Oh tiens, une infanterie de ligne en renfort qui arrive. C'était pas du tout prévu. Je sais pas combien ils ont d'unités de renfort, mais... De toute façon, la prise du fort va être imminente. Ah, et hop. Ça fait comme l'autre. Première save 10 kills, deuxième save 10 kills, troisième save ça fait 10 kills, ça serait bien aussi. Donc sur 160 tirs, j'ai tué 30 hommes. Aucun homme. Ils ont quasiment tout perdu. Je crois que les dernières rangées a tiré déjà. Ouais. Ça tombe généralement beaucoup trop loin en fait. Ça tombe plus à la chaud. Ouais, c'est ça, regardez. Les tirs sont trop longs. Global, ils sont trop longs. Plus 28, encore 7. Allez. Surprise!
toute façon, c'était une toute petite armée qu'ils avaient en renfort, donc je pense pas qu'ils aient 10 conscrits. Hein, déjà 2, je pense, c'est déjà pas mal. Peut-être 3. Maintenant que vous les avez bien tartinés. Ils sont beaucoup moins fatigués. Ah bah bah. C'est bon, ils vont pulvériser l'infanterie qui m'emmerdait. Un petit peu, on va réduire le nombre de survivants. Avant tribune, là, va courir un petit peu. Et quoi, vu que vous m'écoutez pas, vous allez rembailler? Ça c'est quoi, je me prenne un coup d'obus sur la tronche. Trois unités hein. Donner un coup de main sur le régiment qui combat déjà. Comme ça, on va rapidement vaincre ce régiment. Vous avez chargé ceux-là, vous. Il faut quand même des pertes hein, avec le nombre qui sont, mais c'est négligeable. Hein. Des infanteries de ligne contre des conscrits. Hein. Ah, ils m'ont tué encore 10 hommes. C'est impressionnant, la puissance de l'armée. En réalité, là, je pense que je me tape sur toutes les petites villes pourries où leur défense est vraiment négligeable. Ce régiment là il fait pas long feu, on en parle déjà plus. Corps à corps, là j'ai oublié de faire la contre-charge donc ça joue contre moi. Et vu que mes troupes sont fatiguées, j'ai beaucoup plus de pertes. Bon, je peux perdre 2 régiments. Le nombre de régiments que j'ai, je pense pas que ce soit ça qui va changer la partie. Hein.
Ils vont se faire massacrer ces régiments, mais ce n'est pas grave. Ah, vous, je vous ai totalement oublié. Ah, maintenant qu'ils n'ont plus de troupes dans le fort ennemi, bizarrement, il n'y a plus de problème de ralentissement. Bon, mes deux régiments là, se sont fait abattre, mais bon, c'est avec un problème de morale. Ce n'est pas grave. Un peu de mouvement. Voilà. J'ai perdu un peu de perte parce que j'ai un peu trop vite sur la fin. J'aurais pu attendre un peu plus. Affiche. C'est pris. Voilà. Que ville suivante. D'ailleurs, on va regarder un petit truc curieux. Les conscrits. Alors, 70-35. Ah, ils ont 3 munitions. Ils rechargent un peu plus vite que moi. Ils rechargent mieux. 4-8-9-4. 4 en attaque, 8 en bonus de charge, 9 en défense, 4 en morale. Donc ils ont 6, 8, ils ont 9. 9, ouais, ils sont meilleurs. Conscrits sont meilleurs, ils ont juste beaucoup moins de bagues par contre. Leur défaveur. Donc comme vous avez constaté ici, j'avais mis deux armées dans des forts. Et je vais vous présenter l'armée d'élite. Voilà. Toutes les unités sont au dernier level, excepté artillerie. Je vous laisse imaginer le nombre de batailles que j'ai fait pour en arriver là. Actuellement, aucune troupe stationnée dans ce fort. Dans ce cas, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe bientôt. Il n'y a actuellement aucune troupe stationnée dans ce fort. Dans ce cas, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe bientôt. Ah, bon, les bâtiments ont déjà été faits parce que c'est moi qui les ai faits. J'ai tout maximisé déjà. J'ai beaucoup maximisé. Bon, vous voyez, il y a des armées qui ont beaucoup combattu. Vous voyez, de toute façon, vous vous rendrez vite compte des armées que j'ai depuis le début de la partie et des armées que j'ai de fin de partie. Que j'ai construit pour la fin. L'armée là, par exemple. Bon, il y a quand même des gardes républicains. Celle-ci va renforcer son arc. Donc, ensuite, cette armée là. Pas faire ce que j'avais prévu initialement. Donc eux ils vont attaquer là. Nous sommes vainqueurs. Lui ils ont aucun port militaire. Ça vient du fait que j'ai peut-être détruit leur seul les ports militaires pour remplacer par des ports de commerce. Hop. Ils sont faits. Levez le siège. Bonituani. Préparez les troupes pour la bataille. On replie cette flotte là, on la ramène là-haut. Cette armée a payé sur Varsovie normalement. Commencez le siège. Il n'y a actuellement une armée de renfort stationnée dans ce fort. Dans ce cas, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe bientôt. Voilà, comme ça ils ont pu effectivement faire les derniers bâtiments en fait. Et... Attaquez ! Cible assiégée, monsieur ! Il n'y a actuellement aucune troupe stationnée dans ce fort. Dans ce cas, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe bientôt. Pour tous ceux qui se posent la question... Voilà. J'ai attaqué en un tour. Voilà. Ça aurait dû être aussi violent dans notre campagne, donc qui a planté malheureusement.
Mais au moins, ça illustre bien effectivement la puissance de feu que j'ai et la force de frappe que j'ai, hein, d'un point de vue stratégique. Il n'y a rien à dire, il y a juste à faire, hein, y a juste à attaquer et à taper. L'armée, je vais la garder en réserve, j'ai pas envie de la faire taper. Dans ce fort. Dans ce cas, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe bientôt. Là, il y a deux manières de voir la chose. Soit j'arrive à négocier un traité de paix. Soit effectivement, comme j'ai des armées dans toutes les grandes villes, ils vont devoir sûrement mobiliser beaucoup de leurs petites armées. Bon, ils ont quand même pas mal de troupes, hein, intéressantes, hein. Ils ont quand même des gardes, hein. Ils ont quand même de l'infanterie d'élite. Hein. Bon, c'est sûr, comparé aux gardes, aux maisons du roi dernier level, c'est sûr que c'est pas la même. Il n'y a actuellement aucune troupe stationnée dans ce fort. Dans ce cas, il se pourrait bien que... Juste vous la faire pour montrer les unités. Mais vous n'avez pas encore vu les maisons du roi combattre. Alors, donc, ça effectivement, les stats au max, bon vous voyez, les morales ils partiront pas, hein, ils vont jusqu'au bout. Donc ça c'est la garde suisse que vous aviez déjà vue, voilà, la magnifique garde suisse, vous pouvez en avoir qu'une avec la France. Et on va la garde à pied écossaise, la royale écossaise. Ensuite les petits vieux, vous pouvez faire assez rapidement. Derrière, les deux gardes à vie. Attendez. Non, attendez, les petits vieux. J'ai les vieux derrière et les petits vieux devant. Voilà, ça c'est les petits vieux. Assez rapidement. Et ça c'est les vieux qu'on fait à la fin. Ils sont sensiblement similaires, hein, il y a un petit peu la couleur qui change. Les maisons du roi, qui est une unité de fin de game également. Donc là, ça effectivement, ça peut prendre le style de chaque faction par rapport à ça. Et les deux infanteries de ligne, un petit peu d'élite. Un peu d'élite. Infanterie de Burkley, vous pouvez avoir très rapidement, qui est très bien. 52 au début, vous avez 52 de pression, 50 d'habitat à recharger et ultra puissante. Faites-la dès que vous pouvez, même si elle coûte 350 d'entretien, elle est très très bien. Il y a effectivement le royal des deux ponts, qui est moins bien. Elle est beaucoup moins bien. Mais ça reste une très bonne infanterie de ligne, du fait de leur style, c'est pour ça qu'elle est dans mon armée royale. Donc voilà la super armée. Par rapport à ça, ici j'ai l'artillerie de la garde qui est d'un bon petit level aussi. Ils sont level 6. Comment je sais, c'est qu'à chaque fois en fait vous gagnez 2 points d'habileté à recharger, par défaut c'est 50. Cette unité là donc, comme elle est à 62, j'ai donc effectivement 6 le point d'expérience dessus. Oui, celle-ci je sais qu'elle est à max, parce que je sais qu'ici c'est à 50 la précision. Et qu'on peut avoir que 9 galons, d'où le 68. Donc effectivement là j'ai des armes à tuer. Hein. C'est... Et que je pourrais ne pas tout mobiliser. On va garder les maisons du roi en réserve. On va garder Royal Écossais à garde. Là, et on va garder et on va envoyer les petits vieux. Et les vieux, ça sera eux qui combattront dans cette bataille.
Vous avez découvert aussi le tir par peloton. Vous allez comprendre pourquoi je déteste. Alors, en auto-résolution, ils sont très bien. Par contre, à combattre, je déteste quand ils sont à fond parce qu'ils ont le tir de peloton. J'essaie de tirer en peloton et vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas ce système. Mais je vous donne un ordre. Après c'est bien, ça tire en continu, mais d'un point de vue moral, c'est beaucoup, ça a beaucoup moins d'impact qu'un régiment qui tire une fois. Je viens de me tuer je sais pas combien d'hommes avec l'artillerie qui avait n'importe quoi. Je trouve que cette unité là est quand même bien meilleure. Par le fait que c'est des tirs par rang. Tant que ça reste par rang, c'est bien. C'est dommage qu'on puisse pas choisir un mode de tir. Voilà, quand vous avez beaucoup qui tirent sur une, ça marche pas trop mal. Mais le problème c'est que c'est ça, il en faut un sacré nombre pour que ça soit efficace. Et vous allez y aller pour renforcer encore un peu plus le dispositif. Efficace. On va pas dire que c'est pas efficace, hein, dire quand on voit. Et d'un point de vue style ou autre, le tir par rang c'est quand même beaucoup plus stylé. Ouais, j'ai perdu quelques troupes, c'est pas grave. Vous avez chargé. Je pense que au tir j'aurais perdu moins d'hommes, mais bon. Allez hop. Ah, c'était juste pour vous les montrer. Milord. Ça c'est bonus, il y a des unités ennemies qui peuvent en retraite. C'est pas une armée que j'aime utiliser au combat, moi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme troupes ici? Il n'y a actuellement aucune troupe stationnée dans ce fort. Je vais la faire, parce qu'ils ont des cuirassés, donc quand même des très bonnes troupes. Des... pas une mortier à main, c'est pas trop mal. Beaucoup de grenadiers. Grenadiers, c'est des bonnes unités de tir, mais ils sont que 80. Donc au final, je vais les surpasser d'un point de vue nombre avec mes unités de ligne. Il me faut
Où va être ma batterie d'artillerie? Ici. Je vais chercher plus loin. Bataillon sur la gauche. J'essaie toujours de me reposer sur des endroits où je peux me défendre. Ça, c'est un petit sac cadeau, ça. Sauf que contre les chevaux, les unités vont forcément ne pas tirer par rang. Il n'y a que le premier rang qui va tirer. Je pense pour éviter que c'est une trop grosse létalité. Du genre, il y a un obus là, qui est pas du tout tombé dans ma ligne là. Mais absolument pas dans cette histoire. La vache. Comment exposer une infanterie de ligne? Alors. Il y a pas une forteresse qu'on voit au loin là? Il y a de la ville, ville. Il y a pas de forteresse, Kiev? Je suis persuadé que j'en avais construit une des forteresses. Je veux dire, j'apprécie tellement plus ces types de terrains là. Parce qu'on fait tellement de batailles de siège, on affronte toujours les mêmes forteresses que celle-ci, au moins ça fait du bien, ça change l'environnement, ça change la manière d'attaquer. Il y a beaucoup plus de couleurs quoi. La stratégie du carré, parce que des cuirassés ça charge très fort. Même avec le carré, je parie que ça va quand même prendre tarif. Oh, ça va, j'ai pris moins de tarif que ce que je pensais. Temps de préparatoire. Ouais, la cavalerie se fait massacrer. Et je me suis fait charger par contre l'autre infanterie. Paradoxalement, j'ai pas eu. Je pense avoir plus de pertes que ça dans la charge. Parmi les meilleures cavaleries, hein, les cuirassés. Parmi les meilleures. En fait, il y a plusieurs doctrines en cavalerie. Il y a la doctrine des lanciers. Alors, ça se jouera beaucoup plus sur Napoléon, ça. Mais il y a trois écoles au niveau de la cavalerie. Il y a la technique de la cavalerie légère, la cavalerie ultramobile, qui est juste là pour effectivement chasser et attaquer rapidement les unités ennemies. On peut y ajouter les chasseurs à cheval, les dragons légers, etc. C'est le style que j'aime bien, parce que moi c'est la cavalerie qui est la plus mobile sur le champ de bataille, et qui a un impact, parce qu'effectivement ce qui est intéressant c'est de faire des charges, ça impacte au moral, vous repliez, vous rechargez, ça impacte au moral, ça chasse bien les troupes. Vous avez ce qu'on appelle la cavalerie lourde, donc ce que sont les cuirassés, tout simplement. La cavalerie lourde a une stratégie un peu différente, c'est que c'est une cavalerie qui est faite pour charger et défoncer l'ennemi, tout simplement. La ligne derrière, effectivement, est faite pour être détruite.
Il vient de me prendre le piège. Et fusillé. J'ai absolument pas pensé à regarder le terrain et j'aurais pu le voir. Cette infanterie elle peut se replier, on va dire, jusqu'à 20 se prendre, ouais. Donc la cavalerie lourde, donc ce sont les cuirassés, effectivement c'est une cavalerie qui est là pour charger et alors, notamment de dos parce que frontalement ou dans un carré ça marchera pas très bien. Et qui va effectivement briser une ligne là où la cavalerie légère va avoir une force d'impact moins. Et il y a encore la stratégie encore au-dessus, c'est ce qu'on appelle les lanciers. C'est une unité qui n'est pas faite pour continuer l'engagement. De toute façon, une cavalerie de base, vu que toutes les troupes de ligne ont des baïonnettes, évidemment, pas qu'elles restent au corps à corps du tout. D'un point de vue un peu plus global. Par contre, les lanciers ont une force d'impact encore plus importante que la cavalerie lourde. Mais ils sont beaucoup plus fragiles. Donc, autant sur Napoléon, vu qu'ils ont beaucoup mieux géré la cavalerie, c'est beaucoup plus intéressant. Autant sur Soho, la cavalerie, sur certains points, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Moi, j'ai des conseils. En rigueur, deux cavaleries qui tirent. Jamais perdu. Oh, je crois que j'ai un peu rasé sur batterie de canon. Là. Ils sont morts. En fait, vous pouvez, ça, vous pouvez voir, il y a une petite caisse qui est posée et vous pouvez voir physiquement. Donc, j'aurais fait gaffe, j'aurais vu, j'aurais évité de perdre ma infanterie de ligne bêtement. Si on déroute. Et les cuirassés reviennent, cuirassés qui ont un très très bon moral, donc ils peuvent... Bon ça va, j'ai encore pas besoin de mon baisser. Et eux, qui vont pouvoir avancer quand même. La garde à pied, la garde à cheval est morte. L'infanterie de ligne, on tire. Bah, ils ont quasiment autant de précision que moi, sauf que je recharge plus vite, j'ai beaucoup plus de munitions. On va viser la garde républicaine. C'est l'équivalent de la garde des rois. C'est pas une technique, vous pouvez y cumuler. Hein. Ouais. Un truc qui m'a fait mal là. C'est le robusé qui a dû taper là-dedans. Le robusé en batterie sur la colline. J'aurais dit de la chaud. Et Rambag, ouais, c'est rebusé qu'à taper ma ligne. Idéalement, on va viser effectivement l'infanterie d'élite. C'est celle qui peut le plus m'impacter là à court terme dans mon dispositif. Et en plus, vite. Toute leur armée est déjà là. C'est toute leur armée là, qui est en face de moi. D'accord. Et les grenadiers, je viens de découvrir, en plus ils font des tirs par peloton, donc c'est de la grosse double en fait.
Vu que j'étais ce tir par peloton, je trouve. 80, ils tirent par peloton. En fait, ils ont rien pour eux en fait. Ah, ici on avance. Continue à tenir le carré. C'est pas assez, c'est pour tirer tout sur le rebusier. C'est exactement ce que je vous expliquais, vous avez vu là. Les sacs vont raser mon adversaire. J'ai toutes mes technologies que j'avais, hein. Enfin une bonne partie, partie navale, on s'en fout parce qu'ils avaient quasiment plus de port et le seul qui en avait. La peau de Nichani. Ah, les squads de mortier. Que je n'ai aucune idée de la puissance. C'est totalement transparent, j'ignore si c'est fort ou pas. Écoute, là par contre c'est une unité que je vais découvrir qui est spécifique à la Russie et je n'ai aucune idée de l'efficacité de cette unité. Que c'était ça va être plus violent que ça mais... Allez oui bien joué un canon de moins ah, on a bien fait Mumuse. Bon, on résume, c'est de la daube. Alors, on souvent à ce qu'on disait, hein. C'est. Les grenadiers, ils seraient 120. Peut-être qu'à 120 avec leur grenade, ça serait peut-être efficace. J'ai pas souvenance que les grenades, ça fasse beaucoup de dégâts. Le problème. Quand même rendre un truc à leur troupe, elles ont quand même un bon moral. Il reste à l'armée ennemie. Punaise! Attendez. Ils étaient revenus! Bon, je perds un peu plus d'hommes que prévu. Marchez ! Oui, Miller ! Personne. Donc, qui avait pris ? Ok, ici. Non, ici. J'avais déjà rasé l'université ici. Or, deux manières de voir la chose. Soit, effectivement, l'un des deux accepte de faire la paix. Mais on s'en fout. Conscrit uniquement Gao. Votre Majesté. Grave. On va mourir, ça va. Toi, tu vas sur Archangel. Or ministre, par contre, j'ai d'excès en ministre. Hein. J'arrête pas de l'échanger régulièrement, mais au moins j'ai d'excès en ministre. Donc ça, c'est le très bon point. Lui, si je bouge pas, je pense que je peux prendre Kazan le tour d'après, où il y a des conscrits d'ailleurs. Cette armée ici, j'ai pas mal de morts, mais c'est qu'est-ce qui arrive? C'est une artillerie à cheval, il y a beaucoup de cavalerie, deux infanteries de ligne, deux unités légères, trois d'infanterie légère et trois. Bon, ouais, elle peut tenir. Elle peut largement tenir, ça tiendra ici.
On n'est pas trop mal, je pense. On doit. Le commerce est un petit peu effondré de mon côté. Et en rigueur, on va faire un truc. Hop. On va y finir parce que il m'énerve. Dans ce fort. Dans voilà. Ce cas, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe bientôt. Fini. Je vais raser ça pour faire oublier qu'ils existaient. Je vais tout reconstruire à ma... Faction détruite, Empire Marat. Cette nation a été détruite, ces régions ont été prises par l'ennemi. Une nation autrefois resplendissante ne sera qu'une note de bas de page dans le livre d'histoire. C'est le petit truc que j'aime bien. Stormea, les morts étaient bonnes. Stormea et... Les deux sont bonnes. Est-ce que j'ai forcément besoin de garder une armée? Il y a beaucoup d'industries, je crois, dans celle-ci. Voilà. Il n'y a actuellement aucune... Ça ne me coûte rien de les garder. Voilà. Vous voyez aussi, la richesse de mes villes est beaucoup plus importante que dans votre campagne. Il y a aussi une chose que j'ai fait, en plus d'avoir beaucoup d'universités. J'ai envoyé beaucoup de gentilshommes dans les universités de mes adversaires. Et j'ai voyé beaucoup de technologie. C'est bagot, mais ça marcherait bien ce truc-là. Ça marcherait très bien. Là, il va y avoir une chose, c'est que je vais faire un blocus ici. Et ça évitera qu'il puisse sortir. Voilà, voilà. Normalement, là, je prends Archangel, ici, après, c'est loin. Hein. Archangel, ça fait penser à Mass Effect, ça. Bah, vous allez avancer, hein. À gauche, recherche de ravitaillement. Donc, le bâtiment est remis en place. 3 de répression. Voilà, ça doit à peu près tenir, donc on devrait être bon. Eux vont sûrement soit eux se replient, soit effectivement, je suis bonne. Celle-ci ne peut pas attaquer là. Celle-ci, prochain tour. Ici, est-ce qu'une des deux armées que j'ai là est en mesure d'attaquer? Non, vous ne pourrez pas. Toi, est-ce que tu pourras attaquer là-bas? Non. Toi, est-ce que tu pourras attaquer Vilnius? Non. Oui. Toi, est-ce que tu pourras attaquer cette ville-là? Oui, si j'avance maintenant. Voilà. À savoir, vous pouvez ici, le seul moyen de contourner, c'est de passer par là. Donc, autant dire, j'aurai largement le temps de lui tomber dessus avant qu'il puisse. Donc comme ça, cette armée-là prend Vilnius. Moi, je prends ici Podoli. Et après, il restera plus qu'à Biélorussie, Minsk. Voilà. De me détester, les Laponie-Lituanie. Je pensais pas qu'ils pouvaient aller si loin et je pensais que j'allais pouvoir les intercepter. Il va toujours avoir par rapport à ce truc d'interception. Je suis navré, je pense que on aurait eu des batailles beaucoup plus... Or, la Russie, ça sera, c'est intéressant. Dans cette campagne, la Russie est beaucoup plus forte que la Ponituanie. C'est la Ponituanie qui s'est fait raser par... Alors que dans l'autre, c'était la Russie. Aucune troupe stationnée dans ce fort. Dans ce cas, pas grave. Ils sont en train de ramener leurs armées des frontières. Alors, par contre, s'ils me laissent ouvert à... S'ils foutent ces deux armées sur la gauche et qu'ils me laissent ouvert à capitale, moi je vais m'amuser. Hein. Alors. Ils peuvent raider, hein. Il n'y a rien à faire. Pierre est victorieux. J'ai amélioré aussi tout le réseau de transport là-bas pour accélérer un peu la vitesse de mouvement. Et les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national, car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel. Faute de vous exécuter, une rébellion organisée sera fomentée contre vous. Mais un accord à ce stade pourrait entraîner d'autres revendications. Où fixez-vous la limite? Ah.
train de se passer, c'est que là en fait, voilà. Cette bataille-là, par contre, sera plus compliquée. Par contre, vu que je peux envoyer cette armée-là en renfort, voilà. Finalement, Vilnius, je l'ai pris. On peut continuer, hein. On va prendre la Galicie. Comme ça. Hop, c'est capturé. De toute façon, voilà, la Ponituanie, c'est vraiment. Je pense le territoire qui est juste là pour dire voilà, je suis arrivé en fin de partie, je vais tenir ou pas. Les grosses armées qui pouvaient m'arrêter pour essayer hors capitale sont parties. Je vais prendre... Oh punaise, j'ai perdu la bataille en automatique. Ça c'est une défaite amère. Commencez le siège. Automatique, je gagne. Oui. Celle-ci. Oui, j'attaque pas les fortifications, j'attaque à côté. Je pense que c'est victoire en automatique. Même pas. Bon, bah, ce qui va se passer, c'est que j'ai tenté de faire deux traités de paix. Là, je suis rentré dedans, j'ai dégommé ce que je voulais. Hein. Par contre, ce qui peut être, alors ce qui va être ultra intéressant à mon avis. Alors bon, j'ai ce régiment là et ce régiment là qui sont morts. Hein. À gauche, on va mettre ces régiments là. À droite, quoique, moi je pense qu'ils vont venir de la droite. À droite, il y a le guet là-bas. Exact. Deux là peuvent aller sur la droite. J'ai mes infos que je voulais. Infanterie de ligne coloniale. Je sais pas où je vais fabriquer cette armée là, mais je vais fabriquer quelque part. Je vais fabriquer dans une colonie ou autre. Quoi, vous avez bougé. J'ai toute mon artillerie. Attendez, il y a un truc qui m'interpelle là. Artillerie. Qu'ils en avaient pas d'artillerie. Ça va être l'armée de cavalerie qui est derrière, à mon avis, qui a dû fournir. Ici, j'ai de toute façon, ici, j'ai trois régiments en renfort. Ce guet-là est magique. Alors, sincèrement, je suis à couvert, eux seront à découvert. Donc, s'ils me tirent dessus depuis le guet, je vais avoir un énorme bonus déjà de résistance aux dégâts, du fait que je suis dans les forêts. Et lui, en plus, il sera dans l'eau, donc il y aura un malus. Et j'ai... Là, la map, par contre, elle est à mon avantage. Ça fait du bien pour une fois. Là où ça pourrait me faire mal, c'est que s'ils attaquent par là, c'est là où j'ai le guet le plus fragile. Ouais, le plus fragile. C'est là où ils pourraient me dépasser en surnombre assez facilement après. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à jouer à la l'artillerie.
Allez, voilà, premier obus. Voilà, allez, hop, ça c'est bon. Ceux qui doutaient encore de l'efficacité des obusiers, voilà, ils se retournent dans leur tombe. Est-ce que vous avez déployé peut-être un peu trop loin? Ça, j'avoue. Très bien, c'est la cible que je voulais. Boum! La cavalerie! Vous continuez à tirer l'infanterie là. On vous a rien mis dedans, mais pourquoi pas? Juste pour le plaisir de revoir un obus tomber par exemple ici, je suis contente. D'ailleurs, il n'y a plus d'officiers là. Le porte-drapeau et l'officier sont morts, non? Ah, il est là, ils sont là. Ils sont morts! Le général de l'une de leurs armées est morte! Non. Le droit aurait été beau, mais... Dernier moment... Vous êtes ratés, les amis. Ah, il pète pas. Ah, pété. J'adore que... ils vont me tirer dessus, ils vont sûrement peut-être m'aimer. Quoi, vous avez passé à chaud parce que vous m'aviez fait rêver aux premières salles, puis là maintenant vous faites n'importe quoi, batterie droite, donc vous allez vous recentrer un petit peu. Peut-être qu'en déployant ici, j'aurais peut-être la porte. Non, je pense pas, je n'aurais pas assez de mettre. En plus, ici, le petit rebord il sera un tout petit peu plus haut, comme sur Napoléon, au moins je serais tranquille. Pas besoin, les chevaux c'est pas un problème. Ah, pourquoi? Ouais, c'est plus drôle comme ça dans les infanteries de ligne. Voilà, je pense que la partie de gauche de la ligne est quasiment morte. Bah, de toute façon. Ailleurs. Quelques hommes là. En fait, vous devriez juste viser ici. Voilà. Vous maintenant, vous pouvez tirer à la chaux là-dedans. La chaux, ça marche. Oh. Deux infanteries lignes dans cette histoire. Ça, c'est une possibilité que je n'ignore pas.
Si je demande de viser juste devant. Les unités disparaissent d'en haut, c'est pas comme Napoléon où il reste. Ah bah voilà, gars, ça a mieux marché à chou. Et chou. Alors attendez, la question que me pose cette batterie de canon. Elle est quand même en hauteur. Il veut vraiment rester là, eux. Après tout ce que j'aurais mis dedans. Trois jeux, hein. C'est courageux. De toute façon, moi j'ai juste besoin de jouer à Artie. J'ai pas besoin de presser le mouvement. Mon artillerie, ils harcèlent très bien. Ils font voilà, c'est une TA. Et en déroute, eux, je vais les avancer jusqu'au bord. Je vais les avancer au max de max que je peux. J'avoue que si je peux. Non, je pourrais pas. Oh! Oh! Peut-être que. Peut-être que. Non. Je vais manquer de portée. Ouais, ils m'ont tué 12 hommes. Après tout ce que j'ai tué. De toute façon, c'est l'artillerie. Ils ont qu'une artillerie. J'ai des gommes, je suis tranquille pour la suite. C'est ultra important de la démolir, celle-là. Déjà ça c'est bon, déjà ça c'est bon, déjà s'il se déplace, il en perd deux. Ils m'ont tué comme des hommes. Là, la show a quand même fait pas mal de dégâts, yes. Bah, j'ai terrassé l'artillerie. Maintenant que j'ai assez pour de l'artillerie, ça va se passer tranquillement. Juste pour voir plein de petites explosions. On va juste. Ah bah, eux ils reviennent. Parce que je me méfiais.
savoir que les fusées, c'est pas trop mal contre la cavalerie. Par contre, c'est vraiment nul contre, contre les autres unités. Pour ça que vous m'avez vu vers aucune fusée dans cette campagne. Vu que la majorité de la bataille, ça se joue toujours à l'infanterie de ligne. Bah... Ah voilà. Mais vous... À un moment, il faut venir. Hein. Après, vous pouvez rester en fond de cours, mais je vais vous dégommer. Hein. Moi, je joue avec tous les obus que j'envoie là-bas. De toute façon, ça, vous n'allez pas me les rater, ces artilleurs. Interdiction de les rater. Je vais reprendre leur canon, vous m'êtes dégommé. Et deux de moins. Ils tiennent encore au moral ? Fait déjà un canon de moins, ça. Malgré qu'ils sont en déroute, ils continuent à me tirer dessus. On tire, régiment, fire. Il y aura quand même des infanteries de ligne là-bas. Mais bon, le mag est quand même déjà fait. Alors infanterie, en tout cas leur artillerie qui est bien tombée. En fait, ce que je vous expliquais avec le... En fait, comme je tire beaucoup de tirs en une seule salle... Pour mon artillerie qui me tire dessus, ça c'est moins cool. En fait, c'est ce qui fait un peu partir en déroute, c'est qu'ils perdent beaucoup d'hommes en très peu de temps. Avec les tirs par rang par rapport aux tirs par peloton. Ils ont quoi? Ils ont encore quelques troupes par-ci par-là. C'est un rang encore à tirer, non j'ai tout tiré là. Ouais j'ai tout tiré. Ça de toute façon ça va être une bataille parfaite hein, quasiment.
Enfin, une bataille héroïque de sûr, une bataille quasiment pas de perte. J'adore les batailles comme ça de guet parce que c'est ultra plaisant. Stratégiquement parlant, y a rien à faire. Y a juste à attendre que l'IA arrive. L'IA gère mal la défense des guets aussi. Hein. Ils sont. Donc on a un certain nombre à être venus. Là. Ils ont quand même tiré 3 salves. Non. Voilà, vous maintenant vous pouvez vous replier. Maintenant que vous avez tiré. Hop. Voilà, comme ça. J'ai pas replié d'assez loin. Désolé. À gauche, ils ont tiré une salve. Nous, t'es déjà en déroute. Je pense que ce peloton là va se faire raser. Dommage, j'aurais pu prendre Moscou quand même. Le fait que la bataille automatique ait pas fonctionné, c'est vraiment dommage pour Moscou. Et on s'en fout. Tellement d'argent. On peut reconstruire des armées. Vu le nombre. Dommage que sur ça il n'y a pas le compteur de perte, ils disent pas combien de pourcentage de l'armée est détruite ou autre. C'est un truc que j'aimais bien moi dans les anciens Total War, c'est vous dites vous avez dégommé 50% de l'armée ennemie, vous avez dégommé X% de l'armée ennemie. Ça c'est un truc que j'adore dans les Total War. C'est que en cours de bataille tu puisses à peu près savoir les effectifs ennemis où ils en sont. Mais je pense qu'ils ont enlevé ça, c'est pour un petit peu aussi. Éviter de donner trop d'informations, et le problème de ces stats là c'est que ça prend pas forcément en compte les unités d'élite ou autre. Ça prend moins en compte. Ah, hop. T'as pas traversé le pont, toi. T'avais un pont à traverser. T'as juste un pont à traverser, t'as pas traversé, pourquoi? Là, faut que j'ai raté ou. Ouais. Petite bataille qui aura duré un peu de temps, mais on s'en fout, on arrive au bout. Qui ont pris de l'expérience d'artilleur, c'est totalement mérité ça. Les artilleurs ont fait la partie, hein. Mes infanteries de ligne ont juste tenu les guets, mais les artilleurs ont fait la partie. Hein. Faut être transport à un moment. J'aurais pu tenir sans artilleurs, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il faut à un moment, regarder tous les dégâts que j'ai fait à l'artillerie. On regardera à la fin de la partie si vous voulez le nombre de morts qu'on a fait avec les. Ah, peut-être que du fait que c'est des. Non, je crois que si, les explosions comptent quand même comme des morts pour l'artillerie. Est-ce qu'il faut qu'il y en ait une tonne pour que ça compte?
Voilà. Il a perdu 4 artilleurs. Il a perdu 1000 fois plus. Fini. Victoire. Avance tour sur Moscou. Et rien ne peut m'arrêter. Marchez. Allez, parez-vous. Oui, monsieur. Préparez-vous. Marchez. Ici, sur forme. D'après vous, vous pensez qu'un peuple lituanien accepte un traité de paix maintenant ? Alors, je vous propose ça et ça. Génial. Là, je peux remobiliser l'armée à droite. Celle-ci, je peux la ramener aussi à droite. Non, c'était pas du tout prévu. Je cache pas que ça fait du bien quand même qui. Pas un conflit compliqué, mais au moins ça me permet de. Oui, Miller. Monsieur, vos ordres. Ça me permet tranquillement de pouvoir amener mes troupes quand même. Il y a eu raid ici, il y a eu d'autres raids ou pas? Vos ordres, votre majesté. Ça, ça va remonter là-haut. Ici, je reconstruis. Hop, si, si, ça c'est bon bâtiment. Le fait que j'ai ces bâtiments-là, plus 5 de bonheur, plus 1 ici, et plus 6 de bonheur, du plus 3. De toute façon, on peut comparer ici, ça me donne un plus 3. Donc c'est ce qui me permet facilement de te maintenir. L'ordre public, et j'ai pas un mauvais gouvernement. Hein. J'ai perdu, bon là j'ai beaucoup perdu sur ceux qui tenaient au niveau. Dans les classes inférieures, j'en ai plus beaucoup qui donnent là malheureusement. Oh lui par contre, tout ce qu'il me donne, le 92 ans. j'en avais déjà eu deux autres hein, depuis. Voilà. Ici, on va. La Russie, on fait un traité de paix ou on la continue? Ouais, 140 000. Vraie question. Ici, bon. On va commencer la religion. Oh, c'est bon, ça se convertit vite. Je crois que j'ai pas mal de bons agents. J'avais plein d'agents aussi qui convertissaient. Ah, j'ai perdu ceux qui étaient touchés par la grâce, qui étaient level 4. Ah merde. Je suis déception. Ouais. Je suis déception. Pas grave, ici de toute façon. Les armées indiennes ont fait le travail. Enfin, ce qui reste des armées indiennes. Généralement, ce qui se passait, c'est que je reconstruis. En fait, au lieu de reconstruire des. Beaucoup de conscrits là, pour finir la guerre contre eux. En fait, généralement, comment ça se passait contre les Indiens? C'est que les Indiens, en fait, j'envoyais. Je reconstruisais beaucoup de troupes, pareil au niveau théâtre européen, ce qui me permettait, en fait, que les unités, j'ai regroupé ensemble. C'est pas mal.
Ils ramènent leurs troupes vers la capitale. Flotte ennemie droit devant. Ouais, leur mêlée est morte, ça sert à rien. De toute façon, je vais défendre. J'ai récupéré le truc là. Mais ils se rendent compte que j'ai encerclé Moscou là. J'ai tenté, juste après, j'ai tenté de faire un traité de paix. Une fois que j'aurais pris Avilia, comme ça j'aurais coupé effectivement. J'aurais coupé toute cette partie là. De l'autre partie, effectivement, je pense que ça aurait été encore plus violent parce que j'avais un écart technologique. Que dans celle-ci, j'ai beaucoup moins. Peut-être parce que j'ai aidé aussi l'IA. Effectivement, dans Gaud, j'avais un écart technologique qui était tellement plus important que le... Je pense que les combats auraient été encore plus déséquilibrés que ce que c'est déjà. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les comprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Ouais, bah toi, t'as été nul à chier, donc toi. T'es déception, toi. Oui, marchez. Issue. Marchez pour la couronne et le pays. Prêt. En avant pour la couronne et le pays. Vous m'avez déçu pour certains d'entre vous dans les armées, là. L'armée va remonter là. Celle-ci elle est bonne. Celle-ci va pouvoir taper là. Ah, Gaspard Legendre. Ça aurait pu être un bon gars, mais. Rien. Ils ont attaqué la région. C'est bien, c'est un peu RP. Les Russes attaquent l'Ukraine. Bon, pas ça. Moi, je récupère ça quand même. Victoire. Je suis quand même drôlement tenté à aller quand même un peu plus loin quand même. Ah, le problème, c'est que là, l'ordre public, je crois, j'ai beaucoup d'industrialisation à cette région. Voilà, ça c'est fait. J'ai encore besoin de mes deux flottes. Je ne pense pas. Mais c'est bien, ça montre les boulasses. Montre que j'en ai des grosses d'armée. Est-ce que j'ai besoin de garder cette armée là? Non. Donc cette armée va monter là-haut. Toi ici, t'as besoin de rester un petit peu pour ordre public le temps que ça se calme. Astrakhan. Plus besoin de moi. Prochain tour, t'es tranquille. Si on est bon, ici tu vas rester. Toi là-haut. Bah, les armées sont en reconstitution. Tu vas à la frontière de Komi. Et idéalement, il faudrait que j'arrive à amener une armée là-haut. Voilà. Même mieux, je peux pas embarquer une armée là. Celle-ci je peux pas embarquer. Celle-ci je peux embarquer. Non, celle-ci je peux pas embarquer. Celle-ci, je peux m'embarquer. Celle-ci, ouais. Ouais, je sais, c'est... Je calcule tout pour... Voilà. Comme ça, je débarque une armée ici. Débarque une armée ici, que je mets ici, qui pour attaquer ici. Voilà. Très précis comment... Mon point est prévu.
Voilà, j'ai frappé vite et fort, j'ai massacré une bonne partie de mes adversaires. Et après on fera les boutons fin de tour, fin de tour, fin de tour, jusqu'à qu'on ait l'écran de fin et de victoire. Nickel, oui, la Russie regroupe tes troupes à l'ouest, ça m'arrange. Pas savoir comme ça m'arrange ça. Ah, c'est ce truc aussi qui est pratique, c'est vu que j'ai tout fait chier à améliorer, et j'ai beaucoup de technologies militaires, donc ils ont, enfin économiques, ce qui a permis quand même de se booster économiquement. Au moins, ça m'a permis de faire mes achievements quand même, celui de faire 1 million de morts. Le million. Les rébellions s'amplifient au fur et à mesure que le temps passe si elles ne sont pas réprimées. Dans de tels cas, réagissez toujours rapidement sinon bon, le soulèvement peut se propager à toute une région. Je dois torpiller pour tenir la République ici. Il doit faire ça. Ursène, on est bon. Ici, la République a toujours un petit problème. De ici, c'est réglé. Problème là. Et Touraya, c'est réglé. Alors, toi, on continue à faire ça. Et vous, ici, vous allez vous dépêcher d'aller ici. Pas très loin. Donc, vous allez débarquer. Il faut 4 tours pour qu'il arrive. Là, à mon avis, la guerre va péter avant les 4 tours. Je vous le dis. Je vois venir. Je le sens d'ici. Cette armée là. Celle-ci presque. Celle-ci va faire un peu d'entraînement. Venez, venez tous. Je vais vous massacrer. Ah, j'ai peut-être beaucoup trop d'armées. Hein. Faut quand même me dire, j'ai peut-être juste beaucoup trop d'armées là, pour prendre la Russie. Prêt à recevoir vos ordres. Ça, une cime attaque, ils seront bons. Et ici, je pourrais les dégommer. Et j'avoue que, ouais, j'avoue que j'ai oublié ce bonus. La Ponituanie quand même fait que vous n'avez pas de malus d'industrialisation, même si vous êtes un gouvernement. De monarchie constitutionnelle, putain, c'est tellement fort. Oh, c'est à la fois couillu et intéressant ce qui me fait la Russie là. Que si la Russie regroupe toutes ses troupes au niveau du front ouest. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, c'est vous qui meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorer encore un général. C'est le problème d'avoir trop d'armées. De promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Troupes en avant, votre majesté. Ici, ça se convertit ? Oui. Ah tiens, ici... Ah bah oui, parce que vu que j'ai rasé les bâtiments de bouffe, pour ça que ça diminue. Vu que je voulais transformer en bâtiment européen. Monsieur. Sincèrement, j'ai envie de les retaper déjà. Un problème avec ça, mais j'ai envie de les retaper. Voilà. Voilà, ça... À un moment, c'était leur capitale, la ville. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce bâtiment-là. Voilà, ça c'est fait. En avant, oui, pour la couronne
et le pays. Vos ordres, votre majesté. Commencez le siège. Monsieur, vos ordres. Votre majesté. Immédiatement. Autre chose. Vos ordres, votre majesté. Prêt à recevoir vos ordres. Recherche de ravitaillement sous les jupons des femmes vertuissants. Voilà. Battez pavillon. Toc. Milord. Comme rat en cage. Voilà. J'ai fait une sauvegarde. J'ai fait plein d'auto-sauvegardes. Et de sauvegarde manuelle. Yes. Dernière nation est tombée. Bon, je peux plus faire de commerce, mais c'est pas grave. Maintenant, je peux dilapider et supprimer une bonne partie de mes armées. Oui, oui, monsieur. Non, ça a rien que je garde tout ça. Tenez-vous prêt. On garde deux pour la Russie, pour le moment. Pour la couronne et le pays. Oh, bah, je vais même garder plutôt cette armée avec davantage d'élite. Celle-ci, dans quel état Vous pouvez rentrer au pays, vous avez bien combattu, les amis. J'ai encore besoin de vous pour assurer l'ordre public. Là où j'ai besoin encore d'assurer l'ordre public. On garde. Cette armée-là, j'ai plus besoin de vous. Alors, l'armée d'élite qui va revenir tenir Moscou. On sera bon. Et vous allez pouvoir être rasé aussi, démobilisé. Voilà. Et ben voilà, fin de cette campagne. On a plus qu'à passer les tours pour la terminer. Cette armée, on peut la raser, j'en ai plus besoin. Celle-ci, on va garder le temps de voir. Les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national. L'explosion Brescia au nord de l'Italie, une destruction. Pour la 6e vie, le tonnerre des éclairs se faisait comme un signe de cœur de Dieu. Sera fomentée contre vous. 200 000 litres de réserve de poudre provoquant l'explosion dans son œil plus haut en tuant environ 3000 personnes. Venez, attendez. Une explosion à Brescia au nord de l'Italie provoqua la destruction de près d'un de la ville. Le tonnerre Ezekiel était considéré comme un signe de la cœur de Dieu. Les clergé en place avait refusé d'installer un paratonnerre hérétique sur son clocher, c'est-à-dire que l'église de San Nazo a été frappée par un fou mettant feu à 200 000 litres de réserve de poudre, provoquant l'explosion mentionnée plus haute et tuant environ 3000 personnes. Le clergé a depuis lors accès à installer un paratonnerre, mais reposé concernant le stockage d'explosifs de l'église demeure inchangé. Ah punaise, elle est pas mal ça gars. Autre chose, en avant. Préparez-vous, en avant. En attente de vos ordres. Vos ordres, votre majesté. En avant, chose, marchez. Vas-y. Là-haut. Garde. Il n'y a pas de bâtiment, je crois que c'est terminé. C'est tout ça. Mon armée de Paris, enfin mon armée impériale retourne à Paris. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Aucun intérêt à garder ces armées en fait. Aucun. Gaspard Legendre. Je sais pas c'était qui Gaspard Legendre en fait. Ah, Marine il était. Ok. Plus un noblesse, réputé sévère. Pourquoi pas. Patron, pourquoi pas. J'ai deux patrons, pourquoi pas. Déconnant. Non, dégage-le. Non, dégage-le. Oui, voilà. J'aime m'entêter à améliorer l'ordre public avec mes... Ah, il y a Marine. Plus besoin.
La tour, ça s'est calmé. Ici, 5 tours. Il y a d'autres villes qui menacent de péter ? Non. Là, il n'y a plus qu'à passer à la fin de la partie et on aura terminé cette campagne. Les rébellions s'amplifient au fur et à mesure que le temps passe si elles ne sont pas réprimées. Dans de tels cas, réagissez toujours rapidement, sinon le soulèvement peut se propager à toute une région. Devenu entêté. Alphonse Sully. Oh, moi, je suis contente que tu récupères ça. Moi, ça m'arrange. Ah, mais ça revient. Victoire ! Donc, on a vos ordres ? Bon, parce que c'est normal, j'ai été vaincu. Ici, le... Voilà, mais en tout cas... Voilà, pour arriver à ce stade-là, j'ai eu beaucoup de difficultés. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains meurent de faim, d'autres émigrent. On peut... Améliorer vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Comme c'est que lui est bon vivant, il est nul. Pas des bons persos. Hein. J'enchaîne les mauvais. Hein. Et il y a toujours ça qui reste du fait que toutes les technologies que j'ai fait des lumières, il y a toujours ça. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Religieux en train de tourner à mon avantage. Collecte de ravitaillement. Les rébellions s'amplifient au fur et à mesure que le temps passe si elles ne sont pas réprimées. Hop, c'est réprimé. Réagissez toujours rapidement, sinon le soulèvement peut se propager. Plus qu'un envoyé catholique. C'est honneur. Ah. Préparez-vous. Hop. D'autres ordres. Ah, l'armée impériale est revenue. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains... En fait, à un moment que le jeu n'est même plus capable de savoir en fait où vous en êtes. Et une fois que j'aurai enlevé occupation à résistance étrangère, on sera bon. Il reste deux crans améliorés, ici on est bon. Ici on est bon. Oui, on est bon, on peut faire sauter ce mini. Ici on est bon, on peut faire sauter cette armée. Voilà. Au niveau du budget, à mon avis, voilà. Le budget est devenu conséquent. Seule chose qui est intéressante, c'est les ministres. J'ai des gages pour en avoir 5 nouveaux. Comme ça, en quelques tours, j'aurai des nouveaux. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. J'aurai tous mes envoyés catholiques. Des cordes en chimie. Un petit car suédois a découvert un gaz vert toxique à acre. C'est de décorer les fleurs qui sont plongées. Ce gaz est obtenu en traitant un échantillon de métal manganèse avec de l'acide chlorhydrique.
Racine muriatique défologistique, un nom très facile à saisir. J'ai rien compris, ils ont découvert un truc en chimie, félicitations. J'ai découvert comment décorer des trucs. Il manque plus que 4. Même si, en fait, les impôts sont tellement faibles dans cette région que ça ne change pas beaucoup. Les rébellions s'amplifient au fur et à mesure que le temps passe si elles ne sont pas réprimées. Dans de tels cas, réagissez toujours rapidement, sinon le soulèvement peut se propager à toute une région. Personne ne nous vaincra ! Bon, je fais aucune mitrailleuse parce que je trouve que c'est une unité de merde. René Geoffrand. Un gros problème sur René Geoffrand. Ministre. Ok, ce n'est qui pas dans le ministère, on s'en fout. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance. Amusant. À moins, bien sûr, que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. J'en ai un qui est récupéré honnête, je crois connaître ça. Ah, lui, il est bon, par exemple. Pas trop mauvais. Lui, Agracien. Alors. Voilà, toi t'y vas. Voilà, on rajoute un petit peu d'ordre public. Armée a peut-être dissoute. C'est bien, hein, je vais tout plus avoir d'armée, moi. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Surprise. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Oh Dieu, j'avais pas un mauvais ministre, j'avais pas un mauvais... Louis XVI... Attends... Ok, ça se compense. Ok, ça pourrait être pire. Bon vivant. Entêté. Nickel, lui il est bon. Marche à son stand. Lui il est pas mauvais. C'est lui qu'il faut que je dégage. Non, pas par lui. Normalement ici. Exact. J'ai plein de recrutés. Ouais, vous voyez, je joue beaucoup avec les ministres qui augmentent l'ordre public, c'est important. Et ici, c'est terminé. La révolte est terminée. Peut-être pas, parce qu'une fois que j'aurai reconstruit l'usine, ça... Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour... Les siphons pour les toilettes. Un certain nombre de toilettes de canalisation ne peuvent plus remonter à la surface. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin... Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains meurent de faim, d'autres... Un Vassère, c'est qui Vassère ? Fermez vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Ah, encore deux petits crans à diminuer. Pour moi, mes ministres sont pas trop mauvais. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts. Parce qu'à chaque fois qu'il me pète un truc, en fait, ça réinitialise parce que... Quelle que soit la méthode choisie, non, pas cette fois. Agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. En justice, c'est au trésor. Qui a chopé ça ? C'est lui alors que t'es au... Oh, c'est chiant ça. Les rébellions s'amplifient au... Est-ce que j'avais aussi... Je viens d'y repenser, j'avais aussi un...
amélioration de l'ordre public liée au fait que j'avais résolu une révolte récemment. Nickel. Nul. Pour le moment, on va garder le ministère comme il est. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà certains meurent. On avait encore 3. D'autres émigrent. Code de l'eau, vous réglez, pratique duel entre gentlemen est adopté à l'usage du grand public tout l'Irlande. Cet été, tu mets à jour par quand ce concerne l'utilisation d'armes à feu, ce cause bien plus fatal que les pires. Plus le droit de tirer. Okay. Ah, il est resté lui. Il m'en reste un encore ici. Nickel. Bon bah, l'Inde a été intégralement converti. Or pas intégralement, mais a été converti en partie au catholicisme. Et qu'au final. Hop, suivant. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir Laurence Cagrand. Et déjà certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance. C'était pas dans mon cabinet. Bien sûr que vous n'essayez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Il n'a pas changé en Europe. On s'en fiche dans ce cas. Cette région ne produit pas. Bien, là. Au moins on est tranquille. J'ai plus rien besoin de faire, juste besoin de laisser passer les tours. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus Hazard de Kenneth. Le whisky de Jamie Sonnier aura fait l'acquisition des séries des Bow Street à Dublin. Production d'un whisky écossais. Afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. C'est le trésor qui est mort. Et quoi j'ai. Non, Orpis c'est un train de merde, ça enlève un. Lui serait pas dégueulasse. Lui c'est pas dégueulasse. Lui c'est pas dégueulasse. Voilà. Et je vais le dégager lui, parce que lui il m'enlève tout mon bonus que j'avais récupéré. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà certains meurent de faim, d'autres émigrent. Ça semble toujours le même enquêteur, ça se rendra indispensable car elle a bougé à minuit. Une plus grande croissance de midi à minuit. À moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Comme prévu, ce ministre il fout la merde. Et d'un coup, là, j'ai récupéré. Et voilà, plus 5 d'ordre de bonheur. Voilà. Il y en avait un qui manquait 3. Je sais pas que l'ordre public. Ouais, elle va très vite être récupérée, l'ordre public. Là. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains meurent de faim. Yannick Mara, c'est Kimara. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici. À moins bien sûr c'est pas grave, c'est de la gestion, moi. Bon vivant, honnête. Quoique, toi t'as quoi? T'as plus un? Ouais, c'est bon, tu peux être remplacé par l'autre. L'autre améliore un petit peu plus et j'ai toujours... Ouais, j'ai juste plus... La noblesse, on s'en fout. Avec les fermes ou autres, en fait, la noblesse est facile à gérer. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Objet de Messier, Astrum Charles Messier a publié des objets de Messier. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance. Cette région ne produit pas suffisamment de noblesse sommelier, hop. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà certains meurent de faim, d'autres... Chef de cœur, bonne... Si je vous fermez vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayez d'augmenter rapidement vos populations coloniales.
Non, bon, c'est deux à ce qu'on pense, c'est pas trop grave. Comme c'est Claude, il me rajoute tellement d'ordre public que j'ai même pas envie de le changer. Ouais, j'ai pas envie de te changer, toi. Rajoute deux aussi, j'ai pas envie de te changer. Tu m'en rajoutes un ? Oui, toi tu pourras m'en rajouter quoi ? Oh, pas grave, on va garder comme ça le conseil pour un moment. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà certains meurent de faim, d'autres émigrent. Le cristal de Waterford, du verre ordinaire, du cristal Tahiti, décoratif et en passe de devenir le plus important protecteur de cristal du monde, avec un accès facile au port de Waterford. Vous essayez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà certains meurent de faim, d'autres. Ivrogne, tu peux. Voilà. Ah, c'est beau d'avoir fini ce jeu. Après, prochain jeu qu'on se fait, il y aura peut-être deux séries en parallèle, les Illuminati de Bavière. Et déjà certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir. Mais il est toujours contraint à connaître par décret de l'électeur de Palestine. C'est quoi ? C'était assez longtemps spectré. C'était sur la minière en vaste ordre établi. Diriger le navire et taxes sont des troupes au pays. Nous ne saurons jamais si 2000 membres éminents de cette société implantée sur le continent se dispersent en continuant leur pratique en secret. Ok, intéressant. On apprend des choses. On apprend des choses. Cette région ne on découvre qu'il y a 137 territoires. Plus de monde. Et déjà... Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture. Du collier de la reine, des rumeurs ont baillé à Courfeyrac sur ce qu'on a des révélations. Une célèbre collier de diamants que le prévu pour la favorite du vieux roi avant sa mort était dérobée pour une affaire qui... France et la sécateur soit un jour défavorable, semblerait qu'une dame de petite noblesse, la comtesse de Lamotte, est intégrée auprès du cardinal Rohan pour qu'il se sépare de fonds appartenant à la reine. Elle a ensuite persuadé l'illustré de Pochon et de Passen. On a les gants qui étaient pour la reine et que le paiement suivrait. S'enfuit avec le collier et démontre en pièce par 16 avant de t'arrêter avec le rang. Suracté, sauf la comtesse qui fait qu'on est fouetté, marqué au fer rouge, enfermé dans une prison pour prostituer. Finalement, il évita le châtier en physique, mais avec fut déshonoré par ses compétences, finit par s'enfuir en Angleterre. C'est au degré d'application de la reine, ennemie du guerrier carnal de Rouen, elle fut plutôt déconcertée par son acquittement pour être qu'elle était impliquée dans cette machine sans but de ruiner Rouen. Quelque chose avait été une affaire sordide comme celle-ci ne peut servir à souligner ou séparer la vie honnête du peuple français, celle de ses dirigeants. Cette région ne produit pas suffisamment. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir ouais, plus nickel, de monde. Et déjà certains meurent de faim, d'autres émigrent. Toscane a voulu à peine de mort, une insurrection anarchie de barbarie et toutes sortes de risques d'engouter au grand chef de Toscane, c'est l'abolition de la torture et la peine de mort. Sinon, un état fragile tombé sous la coupe du texte pernicieux sur les crimes de châtiment de César Beccaria dans lequel ce dernier se tourmente. Fut-il la peine de mort d'une façon de moins inconsistante, vu que c'est un supposé systématique en toute demande d'exécution. Voilà. Sorte du grand joie criminel revient à Toscane l'honneur ainsi d'être la première puissance européenne à interdire la peine de mort, ce qui déclenche un. Toutefois, l'homme bien pensant ne peut considérer ça comme une pure folie, il a réduit à son avis ce que le monde va devenir. Non. Toujours au débat de la peine de mort, est-ce que c'est bien, pas bien ? Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir. Comme la population croît faiblement ici, il est recommandé de moderniser les fermes ou de réduire les impôts des classes inférieures. Dans une pause, Don Giovanni, c'est le conseil de Génie Bazar, sérénade pour corps de sang majeur. Aucune idée, si je m'y connais rien en musique, ça vous parle, en mais pour vous. Comme la population croît faiblement. Un ce tour-ci. Comme la population croît faiblement ici, elle est mort. Il est recommandé de moderniser. Sophie première monte au pouvoir. Les impôts des classes inférieures. L'augmentation des denrées alimentaires disponibles et des revenus nets des profanes. Le ministère n'est pas trop mal. De mortalité infantile. Comme la population croît faiblement.
Comme la population croit faiblement ici... Madame a guillotiné un certain nombre de circonstances de méthode de son obscur comme la pendaison à roues, écartement, chevaux et bûchers sont agités au peuple. Une fois fou, son éprise au bureau et a libéré le prisonnier brûlant la roue sur laquelle il devait être brisé. Alors après un changement vers une forme plus humaine de l'exécution, bien insuspectable a été remplacé par une efficacité nette et précise. C'est assez proche des échafauds de Halifax ou d'Écosse. L'âme fixe et laissée tombe sur le cou de la victime, étiquetant assez proprement, modifiant son... exécuter la décapitation une seule fois sans coup faire rire. Malgré les appels maintenus pour nommer Louison ou Louis VII, la machine fut appelée guillotine, ce qui quelque peu chagrine son homonyme qui n'avait rien à voir dans sa conception. Comme la population croit. Comme la population. 790. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé de. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé de moderniser les fermes ou de réduire les impôts des classes inférieures. L'augmentation des denrées alimentaires disponibles et des revenus nets aux armures réduira le taux de mortalité infantile, favorisant ainsi la croissance démographique. Ah oui, Sébastien Cournet, il serait pas déconnant. Il rajoute rien, mais au moins il rajoute un peu de bonheur. Hop. Et on arrive bientôt à 20, encore quelques tours. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé de moderniser les fermes ou de réduire les impôts des classes inférieures. L'augmentation des denrées alimentaires Ministre, disponibles sérieux. Et des revenus nets des profanes réduira le taux de mortalité infantile, les problèmes sectar, favorisant pire, ainsi la croissance démographique. C'est quoi, tant pis, hein. On va être tranquille en atelier pour un moment. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé Louis de Molière. Les fermes ou de réduire les impôts des classes inférieures. L'augmentation des denrées alimentaires disponibles. Bah c'est bien, au moins on arrive au bout comme de cette campagne. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé de moderniser les fermes ou de réduire les impôts des classes. Comme la population croit faiblement ici, il est jardin zoologique public. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé de... Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, c'est héroïque. D'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Ça pourrait être mieux. Regardez comme ça. Voilà. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà, certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Même plus de bonus. Genre une révolution. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit mon super général est mort. Les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion.
Mungo visite le... Hop. Ah bah pas en plus. Je vais le garder. Par contre, je vais remplacer mon dirigeant. Non. C'est lui que je veux. Nickel. C'est bon. Mince. J'ai cliqué sur la mauvaise touche. J'ai cliqué à côté de l'écran, donc ça m'a fait quitter le jeu. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Okay, et déjà, certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorer les rendez de Elfyrd. Cette région ne produit pas suffisamment pour de précision révolue, pour un frappement de points, une nouvelle sorte de tour qui fait fi. Manuel, tour fonctionnait quand l'opérateur de la machine tenait l'objet tranchant contre la peste pour travailler. Croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales. Tour. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Forêt. Et déjà certains meurent de faim. Sauf que je crois que toi, t'as des bons traits pour améliorer vos fermes et vos terres en classe inférieure. Pas grave, tu peux être nul. On arrive au bout. On arrive au bout. Éclairage au gage qui arrive dans les villes. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture. On arrive sur écran de victoire d'ici très peu de temps. La pierre de Rosette. Votre construction mesure plus d'un mètre. Oh, le texte apparaît d'abord en grec classique, ainsi qu'il s'enchaîne sous forme géomagique égyptien, ainsi qu'une écriture hiéroglyphique. Ces deux langues ayant disparu, les chevaux pour respecter toute durance des reines de Ptolémée, les décrets officiels du pharaon étaient appendus en trois langues, de façon à ce que tous les sujets de toutes les sous-cultures égyptiennes puissent les comprendre. Il semblerait que tous les textes, même décrets, on espère qu'en second, la traduction du texte grec fournira des clés. Donc effectivement, découverte française. Cette région existe un ordre dans les affaires des hommes. Une hiérarchie commandée par le Tout-Puissant. Les hommes de moindre importance sont aux ordres des plus grands. Les rois et les empereurs règnent. Les autres servent. Les insensés ont essayé leur parlement. L'homme ordinaire a fait entendre sa voix dans les affaires de l'État. Pensez que des hordes monstrueuses de pauvres impudents pourraient gouverner. Maintenant, nous avons un pays et un peuple qui comprend l'ordre légitime. Ceci est notre victoire. Ma victoire. Ma gloire. Fini. Et c'est là-dessus que nous terminons cette campagne et ce stream sur le jeu Empire Total War. On va pour le prochain stream s'attaquer à un jeu qui symbolise beaucoup pour moi, qui est un de mes jeux préférés. Il s'agit de Final Fantasy X. Je pense qu'à côté de ce jeu, effectivement, on va sûrement effectivement peut-être continuer une campagne Total War. Sûrement sur Napoléon, on a fait Empire, on va passer au suivant. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream matinal. Nous avons enfin terminé, désolé effectivement des changements par rapport à épisode 8. Au moins j'ai pu vous proposer cette fin de jeu par rapport à tout ça. Par contre, on aurait peut-être pu faire un truc. Non, j'ai pas prévu assez tôt. Je regarde avant la fin. Et ben, merci à tous encore et je vous dis à bientôt. Et à ciao tout le monde. Et d'ailleurs, pour information, si vous voulez savoir... En bataille réelle, hein. Tu veux tuer ça. Bah, le dernier achievement, le plus dur à avoir, je l'ai eu. Allez, à ciao tout le monde.